J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Moi non plus. Denis, rien, alors. Ouais. Non, j'ai dit, venant d'une personne qui se moque de quelqu'un qui ne trouve qu'il sait pas depuis qu'elle a fait 5 fois une charrette qui se trouve tous les trésors, la personne se fout de toi alors qu'elle-même ne sait pas où se trouve sa droite et sa gauche. Ah. Genre, tu as dit, t'avais réussi à mais prendre non. Un... Non, c'est pas ça, non, c'est juste qu'à un moment je suis allée à un endroit sur une charpelle, j'y vais, je fais demi-tour, j'y retourne et là il fait ah bah elle est là la statue alors que j'étais juste devant et que ça m'avait même pas dit et que je devais faire demi-tour pour retourner là-bas. Avant le pont. Alors, c'est très marrant, la droite et ma gauche. C'est très marrant. Et puis c'est frais à mur. Il n'y a pas de mur, c'était des falaises. Ce truc marche pas. Un mur. Falaise. Bah, j'avais dit dire mur, c'est normal. J'ai loupé le point. J'ai c'est trop là plané. Que les bateaux arrivant dans la colonie déchargeaient leurs marchandises. Donc si le trésor d'Eldorado était arrivé sur cette île, ah, eh ben, vous êtes tous les filles. Par là. Attends une minute. Dans ton cul. C'était quoi? Quoi? Au fond droit. Ouais. Attends, stop. Non, je suis plus devant, en face. Là. C'est notre billet de retour. Allez, notre billet de retour. Non, non, ça. Ça va, je l'ai dit de toute façon, on pas choqué, c'est bon. On se débrouille bien jusque là. Alors si tu me cherches, là, je suis juste devant toi. Ton corps criblé de ouais, mais genre, tout s'en bas. Oh, ça, tu veux pas voilà. Ton côté ouais, si t'as de chance, mais te sers pas de moi comme excuse. Bien. C'est moi, ok? Je laisse tomber. Alors, tu viens ou pas? Alors, c'est tout. Tu vas faire une croix sur le trésor et tout oublier sur Drake. Et voilà, tu fais une croix sur le trésor, ok? Ouais, je fais une croix sur le trésor, d'accord? Ok. Allez vous faire foutre. De toute façon, il faut qu'on retourne au port. Bon, you, je connais dans un magasin un live plus d'autres de jouer en fait. On pourra en débattre plus tard. Non, non, j'écoute. Ça va être cool. Mais ouais. T'entends tout. Mais attends. Ouais. Je vous fais participer à mon aventure, les gens. Non, merci. Cette fois, je crois ouais, ça va. Toi, tais-toi. De toute façon, t'as rien à dire. Je préfère mon aventure à moi, elle est plutôt cool. Pleine d'émotions. Oui, bah ça, après, tu fais ce que tu veux avec toi, c'est un. Perso, ceci ne nous regarde pas. Nani, c'était quoi ce gémissement là? C'est pas moi, j'ai le micro coupé, c'est bête. Hein. Gros mytho. Ah oui, bien sûr. Bah allez, Nani. Bah, j'ai dû m'arrêter pour dire bonjour. J'ai le seum. Deuxième normalement. Je comprends pas. Normalement. Comment une colonie entière a pu être rayée de la carte? Le mec il est faut 3 heures pour les bonjour. Ah ouais. Je me suis fait agresser par un chien là, t'as vu. On dirait qu'on a de la compagnie. Fils de Marie. Putain, moi je savais par quel chien, me suis fait agresser hier, je vois, franchement. Le chien, c'est ma taille, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas compliqué de faire ta taille, un caniche suffit hein, pour faire ta taille. Comment le fils de pute là? Oh, pas les mamans, s'il vous plaît. Non mais oh. Ah, vous avez vu, je suis la seule fille, il me casse à moi, quoi, j'hallucine. Bon, moi, je fais la bonne taille pour France, hein. J'avoue. Mais après, ceci ne nous regarde pas. Bah, tu me cherches, tu me ouais. On avait tous une moto différente. Putain, j'en ai loupé, et j'en suis sûr, je l'ai loupé ce trésor. Voilà, j'ai plus de flat, c'est génial. Oh mon match. Il est méchant avec moi, mais... Non mais toi tu l'as cherché, t'as vu que là... Mais j'ai rien dit, j'ai juste dit que j'ai plus de clap. Non mais j'ai plus rien. Thank you.
Oh putain, ça c'est une bagnole de merde. Vas-y, je vais prendre celle-là. Non, la Buffalo. Non, non, la Buffalo, c'est de la merde. Et voilà. Celle-là. Il ne reste plus qu'à trouver comment entrer. Tu sais, une fois j'ai lu un truc sur un trésor inca maudit. Allez, on va recommencer le chapitre 8, moi je dis. Me dis pas que tu crois à ces conneries. J'ai dit juste. Tu sens très chanceux. Quelque chose de terrible s'est produit ici. De quoi ? Je connais une différence encore. La frontière ne disparaît pas par enchantement. Ouais. Alors c'est quoi ta théorie ? Allez. J'ai du monde dans la partie, mais n'importe quoi. Ça. On peut peut-être y arriver en suivant ce câble. Allons, on voit ça de plus près. Je reste là et je te couvre pendant que tu descends. Essaie de trouver un accès à cette tour. C'est à moi. Je le sens pas là. What? J'arrive pas. Il est là. Voilà. Ça m'a... Ok, la voiture que j'ai choisie, c'est vraiment de la merde. C'est par là. C'est qui gueule ? C'est ta sœur. Ah, j'ai compris. Non, non, ma sœur gueule pas comme ça. Il y a plus une vol de crécelle, tu vois. Mais il est où ce trésor là ? C'est quoi ? Une grenouille en argent. Ouais, alors on va aller trop la peine, tu vois. Et puis je l'ai même pas quoi. C'est quoi ce délire? Coco, ta gueule. Il y a deux tours sur cette course de merde. Voilà, je l'ai trouvé. Il était temps.
Non, putain, la voiture a dérapé. Allez, super. Allez, première, troisième. Gros foutage de gueule, la voiture elle est partie de travers, s'il te plaît, dans le tonneau. Avant d'arriver dans le tonneau, la voiture elle est partie de travers. Putain. Et quand c'est pas conduire, on conduit pas, Frost, j'ai toujours dit. C'est pour ça que tu viens jamais sur GTA, Ludo. Ouais. Merci, Benny. Oui, tu peux, hein. Non, mais je vous laisse en trouble. Oh non, que demi à la première place. T'as vu? Je suis premier. Tout va bien? Non! Non! Et voilà, c'est non, mais sous, je m'en fous de finir derrière. Mais pour je la rattraperai. T'as surtout l'habitude de terminer dernier, c'est pour ça. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. Ouais. Lui, là, c'est moi, général. Si j'ai pas ces personnes. C'est moi. Ouais, c'est ça, ouais, Denis. Salope. Quoi? Non, c'est Denis. Non. Il tire où ce fils de pute? Putain, Ludo, Denis, je parlais pour moi. Mais je vous emmerde. Claire, ça. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est toi là, t'as commenté, t'as commenté toujours. Moi, j'ai commenté Mordorère et lui, il a commenté Salope. Et ça? Mais sur le truc là où j'ai dit que... Ah ouais, j'ai dit, bah c'est mon jeu en fait. Sur ma gueule quand je suis petit là. Moi aussi on sort de ma gueule quand je suis petit. Oui, mais toi c'est normal. La plupart du temps c'est moi. Mais toi t'es toi. Non. Bon. C'est pas ma faute si vous êtes tous des perches, hein. Bah bien sûr, moi je suis le plus petit et puis on dit je suis une perche à la le plus petit en vrai. Mais non, mais niveau taille, ça reste à voir. Tu fais quelle taille, Denis? Tu vas mettre 50? Non, prends pas ton cas pour une généralité non plus. Non, moi je fais pratiquement 1m70 sur ta gueule. J'ai 1m65. Ah bah oui, t'es petit en fait. Ah oui. Après, je me dépasse de 8000 pour une fois que je dépasse quelqu'un. Ah là là. Ouais, ça va, te sens pas seul. Ouais, tu fais 1m combien toi le mini? 65. Ah, ça va alors. Ok, mais ma mine est plus grande que toi, mon gars. Ça va, non, c'est bon. Je suis rassuré. Non, allez, putain. Non. Bon, bah la grande perche, c'est à ce moment-là, non? C'est dans le vide. Si tu cherchais un trou, Denis, c'était pas celui-là que tu avais visé. Oh
c'est drôle, putain. Oh, l'invitation. Frost va pas être d'accord. Non, non, j'invite que dalle. C'est pour quelqu'un d'autre. Je pense à personne, hein, mais... Ouais, c'est ce qu'on dit. C'est un mytho. Non, non, je pense vraiment à personne. Toi, par contre, toi, si tu cherchais un trou, c'était pas celui-là non plus, hein. Oh, la mytho. Je pense à qui, Denis? Je sais pas, moi j'ai un bas les couilles. Bah voilà. Je m'en bats les couilles. Mais attends, t'as 30 ans et tu fais 1m65. J'ai juste dit penser. Ben ouais, alors il y a un problème. Il est vraiment petit. Il est aussi petit que moi, donc doucement. Oui, mais toi t'as 16 ans, petit frère. Tu vas grandir encore. Jusqu'à tes 25 ans. Lui, il grandit plus. Oh là là. Je crois que le tour il me voit, Ludo, il me tue. Oui. Bah tu sais, t'habites pas très loin après. Ah bon? Ah oui. Si, dans très exactement un an, j'habiterai très très loin de toi. Donc ça me rassure. Oui, si tu veux, mais tu sais que je peux te retrouver facile, tu sais qu'après, tu sais, les Vosges-Moselle, c'est pas très loin. Ce sera pas difficile, hein, je vais habiter chez mon homme, donc... Que je serais caché derrière une grande perche, ou plutôt devant. Enfin, je dis ça, j'ai rien. Hein. Ah ouais, et ben la grande perche, elle vient de me pousser dans le vide. Ah ouais, il n'y a pas de problème. On s'est toqué. Ouais. Voilà, je parle de ma perche, enfin, je parle de mon homme super gentiment, et lui, il me pousse comme une grosse merde, elle dégage. Non, mais j'hallucine. Comme si je l'avais fait exprès, tu sais. Bah oui, bah ouais, c'est t'as fait exprès. Le voilà. Il m'a donné la première place, en fait. De toute façon, dans tous les cas, t'allais la perdre la première place sans que je t'avais rattrapé. Il m'a resté un virage et j'avais gagné. Ouais, ouais. Surtout quand que je t'ai pas me pousser. Bonjour, j'arrive. Ouais. Je suis en étape dans la gueule. Ah, c'est horrible, c'est mon gars. Qu'est-ce que ça va? Il est vilain. Ouais. C'est pas parce que tu leur coupes la langue que ça les empêchera de miauler, mais bon, c'est pas grave. Ah non, c'est jamais quand on m'arrête à tout chercher déjà. Coupe la tête, alors c'est utile aussi, que ça m'aide beaucoup pas les filles. Non mais tu sais, c'est pas rien, hein. C'est pas comme si, franchement, c'est comme si tu voulais couper la vie à Ludo, enfin déjà qu'il y en a une pour ça. Là je suis pour rien, Ludo, hein. T'énerve pas sur moi. Non mais frère, pourquoi tu prends ton cas pour une généralité, quoi? Tu peux demander à Nate, franchement c'est très méchant, Nate. Attends, je me sens de là. J'ai rien dit. Attends, je descends du canapé. Yes. Là, viens là. Descends du canapé. Attends, je ne vois pas. Descends. Mais c'est rien en plus. Descends. Attends, descends. Si j'en ai pas, tiens. Faut que je me lève pour faire descendre. Descends. Allez, Attends. Descends. Vive l'autorité. Toi, t'inquiète, là, l'autorité, qu'on est forte. C'est juste que moi, je ne crois pas mon chien.
Non, de plus, je crois pas. C'est vraiment con, un Yorkshire. J'avoue. Je crois que c'est la race la plus con de chien qui existe. Ah ouais, non. En fait, il a fait au moins 15 000 fois le tour de la baraque en 20 minutes. Je pense pas que tu vas trouver plus con que le mien en fait. Franchement, ça m'étonnerait. Bah non, c'est ce qu'on te dit. Bah, mon chien a peur de son ombre. Ok, hein, vas-y, va battre ça déjà. Il a peur de sa niche, il a peur de l'eau, hein, il a peur des portes, il a peur du bruit. Mais il a pas peur d'un fusil de chasse quand ça tire, t'imagines? Oh merde! Et en plus, il y a... Qu'est-ce que ça veut me faire, mon cœur? Mais en fait, elle s'est levée trop vite. Attention, Denis, il y a les sapins ici. Hein. Ah oui, niveau maniabilité, je suis déjà à fond, alors du coup, voilà quoi. Attention, là, il y a le mur. C'est pas vrai. Si, si, regarde. Mais casse-toi la gueule, contre moi. Je t'avais dit qu'il y avait des sapins. Hein. Oh, c'est un poteau électrique. Aïe. Bon bah y a des temps. Il est con lui. Encore. N'oublie pas de faire gaffe à pas trop planer, Rémi. Ouais, j'y pense pas cette fois. Ah, il y a des panneaux aussi, Denis. Bah ouais, t'as raison de le dire, toi tu te le prends en pleine gueule. Bah oui, mais moi je passe à côté, entre. Je passe dehors. Moi je suis passé entre, tu peux demander à Denis, il m'a vu faire. Ah non, mais merde. Denis, quand il fait ça, il se les prend tous. Non, j'en ai pris aucun. C'est bizarre, wow. D'ailleurs. Déjà, au deuxième tour, pas tous les prendre. Par contre, je les prends. Ralentisseur à la con. Ouais, moi j'avoue que je les prends là, je comprends pas. Hein. C'est un volet à des. Bah alors, Hadès, tu louches? Oui, parce que la moto, même à plein gaz, elle va encore à la faire cabrer, quoi. J'ai roulé sur un panneau. Et après ça parle de moi. Ouais, non. Mais j'ai plané et j'ai roulé sur un panneau. Une femme au volant, c'est normal. Toi ta gueule, parce que je te jure que le jour où je te vois avec ma voiture, je t'écrase. Passe déjà le permis. Mais bon, t'es tellement petit que je vais pas te voir. Moi. Ça veut dire que tu verras pas non plus. Ah mais toi t'es trop loin, Denis. C'est vrai. Toi, je t'écraserai quand on ira à la Paris ensuite. Si j'y vais un jour, hein. Moi, tu viendras. T'as peur que je t'écrase? C'est bon, merci. Merci.
Je suis menacé tous les jours là, à chaque fois. Hein. Je t'ai pas menacé hier. Putain, mais n'importe quoi. Allez, il a pris les ralentisseurs. Ça m'étonnerait même pas que tu les menaces hier. Hein? J'ai dit ça m'étonnerait même pas que tu aies menacé. Mais j'ai pas menacé hier. Putain, je suis tombé dessus. C'est qui c'est? Mon père. Je sais pas. Eh ben, il a la joie de lui. Hein. Putain, je l'ai loupé ou quoi? Oh, puis il chiffre comme un canard. Ah, t'aurais dit un connard, j'aurais mieux compris, mais un canard, c'est méchant. Non. Vous êtes lent. Bon, on essaye de te recopier, Denis, mais on n'y arrive pas. C'est bête, je suis arrivé premier pour la fois. J'aurais du mal à me recopier. Je commence à m'emmerder, putain de chien. Tu veux quoi là? Y'a plus de gâteau, c'est dommage. Ah non! Attends, j'ai fait la. Ah, je crois que je l'ai baissé! Non, c'est bon, frère. Recule! Ah non, non, là c'est moi qui ai le temps que je. Bon, d'accord. Tu t'y attendais pas, mon père, hein. Tu t'y attendais pas. Oh mon dieu! Les gueules! Putain de chien! C'est le moment où il y a du vent, mon père, le chien dans le cœur. Ça doit être les manifestes des vieux bateaux. Encore en bon état. Ah là, c'est bon, j'ai attaché les volets. T'as d'avoir ça, René? Pauvre merde. Hé, regarde ça. C'est intéressant. L'Esperanza. Provenance Calao, Pérou. Transportant 800 lingots d'or, 1200 d'argent, des émeraudes, des masques en or, des ornements. Oh, tu lis l'espagnol du 16e siècle? T'es pas qu'un simple pilleur de tombes, en fait. Juste là. Statue d'or. Poids 20 arrobas. Plus de 250 kilos. Ça peut être que ça. Wow. Et voilà. Ce truc me donne la chair de poule. Hein? Y a plus rien après. C'est quelqu'un de spécial? Quoi? Ah. Ouais. Je crois qu'on peut dire ça. Quoi? Je te voyais plus comme le genre de mec à avoir une femme dans chaque corps. J'aimerais bien. Non, c'était la blague de Francis Drake. Et j'en ai quelque sorte hérité. Sic parvis magna. C'est moche. Ma grandeur vient des débuts modestes. Ah, c'est moche. C'était ça. Oui, c'est moche. Regarde la date. Non. 29 janvier. Si, si, par contre, c'est toujours les mêmes de course qui casse-cou. Salut Tommy 74, comment tu vas? Des coordonnées. Juste au large de Panama. Ah, il faut aller chercher. Non, mais il faut aller. Non, mais il faut aller chercher sur Rockstar Social Club. T'en auras des nouvelles. On t'attendait. T'es quelqu'un d'assez intelligent. Mais bien sûr. Ouais. Bien tenté. T'as qu'à venir. On va quand même prendre ce bateau. Ouais, non, 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 non. Je voulais faire. J'ai bien peur qu'on ne se rapproche pas. Bon, c'est pas ça. Donc on recommence le chapitre 9. Alors Denis, t'en as pris aucun? Aucun. Bravo. TGM, qu'est-ce que t'as cru? Plus grosse merde, ouais. Je sais. Bah ouais. Tu l'as pas vu passer celle-là, je crois. Si, si, je m'y attendais. Je sais pas si t'as dit ou quoi, quand même, tranquille. Ouais, mais je m'attendais à ce que tu me sautes, hein. Ah bah, mais on vous a dit que ça reste entre vous. Mmh.
Bah oui, c'est toi la perverse. Elle m'énerve ce truc là. Ah non. Ah, mais tais-toi. Mais toi, c'est toi. Putain, c'est pas possible. Ça passe moins des clopes et ça ma gueule. Mais va te faire foutre avec tes clopes. Arrête de fumer, ça ira mieux pour tout le monde. Non. Non. Bon. Adèle, je crois que je te vois pas monter sur le canapé. Ça fait de suite, hein. T'as pas vu ça? Non. Génial, elle lui fait mon bébé, elle l'embrasse et puis elle lui fait que t'es moche. Hein. Tu vois bien le cerveau d'une femme, tu vois, il fait Tinder, tu vois. Ouais, il est moche. Hein. Bah, demande à France Cross, il est pas moche, mon chien. Son chien, il est hyper moche. Bah, après, c'est un Yorkshire. Non, c'est un espagnol. Franchement, non, mais franchement, tu vois le chien, tu vois les deux, il n'y a pas de différence. Et mais bébé, je dois quand même te dire que mon espagnol est classé dans les 10 plus beaux espagnols de France. Dans les 10 plus beaux, t'imagines? Pour te dire qu'il est plus beau que certains. Eh hey, bah putain, vive les laidrons quoi chez les espagnols. Non mais normalement la race espagnole, c'est fait pour avoir des chiens moches quoi. C'est vraiment moche ces chiens. Parce que après c'est que pour la chasse qu'on les prend. Bah, ça dépend ce que tu prends comme espagnol. Hein. Moi c'est un espagnol breton. Voilà. Les espagnols français sont trop moches. Voilà, si tu prends, c'est sûr que si tu prends un breton, déjà un breton à l'origine c'est moche. Alors si tu prends, voilà. Je suis désolé mais te comprends pas toi et mon chien s'il te plaît. Je suis pas, mon chien est utile pour nous nourrir. Mon chien est utile pour nous nourrir, tu vois. Moi, le mien, il sort, il va te prendre un oiseau calme. Toi, tu sors, tu prends. Déjà, un tu dis de la merde parce que tu dis de la merde parce que je suis pas breton, tu vois. Ça qui est cool. Mais oui, mais là je parle niveau mocheté, tu vois. Toi, tu vas chasser quoi, toi? Des étourneaux? Waouh. Mais non, c'est des roues cool. Ah, il y a des étourneaux aussi. Ah, bon, et puis il y a des tout moches. T'as déjà joué à Pokémon, Denis? Eh, oui, mais il y a tout moche là. Eh, tout moche, en plus, il est blanc, il me fait des poils blancs partout, cet enculé. Bah, c'est un chat. Bah, mais en plus, il a la... Tu sais, c'est des chats avec la gueule écrasée. Ah, mon dieu, c'est moche, ces chats. Mais ah. Tu sais, pendant 2 secondes, j'ai eu peur que tu me dises c'était un chat sans poils, tu sais, mais non, ça a vraiment des poils. Les chats sans poils aussi sont moches. C'est qui m'a fait tomber? C'est mon cake. Oui, c'est Denis, putain. Quoi? Je me suis arrêté parce que tu m'as foncé dessus. Tu rigoles ou quoi? J'hallucine, c'est toujours ma faute. C'est toi, tu me pousses. Bah, il faut bien que ça soit de la faute à quelqu'un. Mais j'étais devant, comment tu te pousses? Bah non, c'était moi devant. Non, c'était moi devant. Aveugle. Mais toi, aveugle. C'est vous les aveugles. Hein. Bon, en attendant, vous êtes les seuls à être tombés, hein, donc l'aveugle, elle voit la route. Bah, la faute à qui, bah, c'est qui a poussé tout le monde.
Ah bah voilà. Moi j'étais devant. Comment tu veux que je pousse alors j'étais devant. C'est ça, ouais. J'ai pas pris le saut volontairement pour éviter justement qu'on se rende tous dedans. Alors en fait là vous êtes en train de me gueuler dessus parce qu'en fait c'est soi-disant ma faute. Ah ok, bah, ok. Oui, c'est votre faute à vous deux. Non mais y a pas de problème, bah, allez vous faire foutre. Elle a pris le sang. Oh comment elle rage. Comment elle rage. Mais c'est eux là, ils ragent là, juste parce que eux ils sont tombés et pas moi. Bah normal, tu les as poussés, tu peux pas tomber toi. Ouais mais t'arrêtes pas. Mais tu fais quoi. Bah si, je m'arrête. Non mais ça y est, allez, elle rage. Comme ça, moi je vous pousse pas. Voilà. Yeah, voilà. Allez. Oh là là, je l'ai laissé passer, il a carrément raté la route. Hein. Bon, en même temps, quand tu te mets au milieu. Salut, nous vous arrivons sur mon live. Non, mais Link, c'est comme moi qui lui fonce dedans. Elle s'arrête pile à l'endroit en mode, tu sais. À l'endroit où j'arrive. Ouais, bah, non, mais toi, tu lui fonces dedans d'une différente manière. On va pas en parler là, d'accord. Je suis en live. Eh bah, toi, t'as qu'à s'en mettre ta gueule et nous, on vient de changer. Mais je veux pas sur GTA, j'ai dit que je platinais mes jeux en ce moment. C'est tout. Bah viens platiner GTA. Ah mais pour platiner GTA il va devoir aller en mode histoire à moitié. Eh oui. Il a déjà fait la mode histoire. Non je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Tu l'as pas fait encore. Non j'ai attaqué le mode en ligne direct. Oh bah voilà. Bah j'avoue que ça se contente, j'ai fait pareil. Hein. Mais pourquoi tu fumes mes deux balles? Putain, il en a pas besoin quoi. Voilà. Le dernier qui est là. Oh! Je suis tellement retourné sur la route. Monsieur. Je vais aller au fils de pute. Et je dis, mais si tu vois, elle va foncer droit dedans. Même pas, elle s'est arrêtée. C'est bien. Non, 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 mais je te laisse devant. Hein. Oh, non. Oh, là. Ok d'accord, je vais faire un petit tronc d'arbre s'il te plaît. Du grand n'importe quoi. Mais t'as besoin si t'arrêtes de faire la pitre. Non, mais c'est toi qui fais le but depuis tout à l'heure. Ouais je sais pas si la course que vous avez choisi, la voiture c'est de la merde. La machine elle dérape n'importe comment tu sais. Même moi ça. Pourtant t'as pris la même voiture que moi et la mienne elle dérape non, pas. Non mais moi je joue pas avec ces voitures là moi. Tu peux même pas la faire drifter voilà. La bagnole. Alors. J'ai eu l'amulette. Coucou, qu'est-ce qu'il y a, Evangeline? Tu t'y attendais pas, hein? Doucement. Non,
C'est ça, dis-moi, chérie. Un oiseau. Non, il n'y a pas d'oiseau. Ah, là, c'est un papillon. Il y a un papillon. Oui, un papillon. Un papillon. Un papillon. Bon, les deux têtes de bite, là, vous maniez le cul de passer. Un papillon. Un papillon. Un papillon. Papillon. Oh, il est trop mignon. Les papes. Aïe. Quoi, aïe. 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 Ça fait mal aux oreilles. Putain, la fille elle est aussi folle que le père, quoi. T'as dit comment tu dis Ludo, Ludo, et pas beau. Ludo. Ludo. Et. Ludo. Et. Et. Moche. Ah, bravo. Ludo. Vive l'éducation Ludo. Du père. Hein. Le. Le. Cra. Cra. Non, touche pas à ça. Ludo. Le. Le. Cra. Le. Ah, je suis brûlé. Ludo, t'as brûlé. Ludo. 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 Le. Le. Cra. Cra. Le. 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 L'eau. L'eau. Cra, le, l'eau. C'est la partie de touche pas ça, ma chérie, ça ne veut pas. J'ai dit, tu touches pas, c'est à moi. Toi, tu t'es. Voilà, broche ornée de pierre, c'est fait. Hey, il reste sur son jeu. Hein? C'est lui, il reste sur son jeu. Oui, moi, tranquille, moi, je vous laisse faire vos conneries. Si un jeu peut-être traveler, il remarque sur son truc. Alors là, je peux te dire, je m'en bats les couilles, mais à un point. De toute façon, ça vient de Frost. Habitué, franchement. Franchement, ça vient de Frost, donc tu sais. Maintenant, plus rien ne l'étonne. Hein. Ah, plus rien ne nous étonne, de toute façon. Trouvons le port et espérons que le bateau soit là. Ah, encore pire. Ah non, mais je m'en rappelle une fois, tes filles, avant, je suis bédé, donc. On se demande à cause de qui. Ma chérie, Denis. Allez, c'est le. Le. Petit. Petit. Singe. Singe. Poilu. Poilu. Vous savez quoi, moi je suis contente qu'il y a sa copine parce qu'elle peut rien dire par rapport à moi. C'est sûr que t'as de la chance. T'inquiète, ton tour viendra, t'inquiète. Ah non, ouais, dans un an. C'est trop ça en fait. Dans un an. Oh non, mais je dirais même avant, tu vas voir. Ouais, à la moindre occasion, tu vas voir. Désolé. Bouge pas Denis. Putain. Moi je te le dis avant un an, moi je vais pas galérer avec le petit hein. Il va rien dire sur moi. Peut-être qu'on sait jamais si elle répète à leur mère. Hein. Tu sais, c'est là où leur mère, tu sais, quand ça a engueulé, elle n'a quoi, elle dit se pédé. Ah, je te jure, je serais morte de rire. James, elles m'ont dit pédé, les filles. Allez. Ouais, c'est moi qui leur ai appris. Oh, je suis une salope. Et là, tu pousses pas, peut-être.
Mais c'est toi là, t'es trop lent, c'est pas ma faute. Bah bien sûr, quand on prend l'aspiration des autres, hein. Bah t'as qu'à l'enlever l'aspi. Sauf que c'est pas moi l'autre de la partie. On me l'enlève pas l'aspi. De toute façon, tu peux rien enlever, j'ai essayé. Déjà tout à l'heure. Tu peux rien enlever, j'ai voulu changer aussi, partir sur les autres voitures. Chapitre et tout, tu pouvais pas. C'est parti. Waouh! Ça doit être des manifestes des vieux bateaux. Ça semble encore en bon état. Hé, hey, regarde ça. C'est intéressant. L'Esperanza. Provenance Callao, Pérou. Transportant 800 lingots d'or, 1200 d'argent, des émeraudes, des masques en or, des ornements. Oh, tu lis l'espagnol du 16e siècle? T'es pas qu'un simple pilleur de tout, en fait. What? Juste là, statue d'or. Ça fait atterrir sur les quatre roues, quoi. Ça peut être que ça. J'hallucine. Et voilà. Vous allez manger, mes chéris. Ce truc me donne la chair de poule. Ah, tant mieux, au moins tu nous foutras la tête. Je crois qu'elle a dit ma maman. Ah, oui, à ma maman. Manque plus qu'il apprenne au chat à dire miso, t'es moche. Quoi? Je suis sûr qu'il en est capable, ouais. En plus. Je te voyais plus comme le genre de mec à avoir. Il a déjà commencé hier à apprendre. Bien. Non, c'était la blague de Francis Drake. Et j'en ai. Non, mais j'avoue que j'ai dit tout ce que je leur ai déjà dit. Tout ce que je leur ai déjà fait dire, c'est énorme. C'était sa devise. Regarde la date. Ah, bah, je m'en rappelle. 29. Entre même à celui des nègres. Ah, moi, ça va, moi, je suis bien. Moi je subis rien, ça va. Attends, c'est quoi ces chiffres, justement? Mais attends, non, t'inquiète, ça va, ton tour va venir, t'inquiète. C'est comme ça que dans ça, non. Non, tu vas à la moindre occasion, je te jure. T'inquiète. Ludo, il me connaît très bien, il sait qu'à la moindre occasion, tu vas y passer aussi. T'inquiète, moi. C'est quoi une occasion pour toi? Moi, je te dis franchement, dans moins d'un mois, tu t'en prends au moins une dans la gueule. En moins d'un mois. J'ai cru dans moins d'une heure ou quoi. Bah, connaissant Frost. Non, il a dit moins d'un mois. Il a dit moins d'un mois. Dans moins d'un mois. Connaissant Frost, s'il a une ouverture que Madame Frost fait dodo, tu peux être sûr que tu vas t'en prendre plein la gueule. Il suffit juste que Madame Frost soit pas là. Après, après j'en ai rien à foutre. Hein. Mais ce que je veux pas, moi, c'est que les filles elles répètent. Mais après, s'ils s'en prennent plein la gueule à cause de moi, c'est pas mon problème. Hein. C'est ce qu'il aura cherché. Hein. Mais alors, si tu savais comme Frost, c'était le moindre de ses soucis, il doit s'en battre les couilles comme sa première paire de chaussettes. Ah non. Les deux, ils me connaissent très bien depuis le temps, putain. Oh. En même manière, moi, depuis le temps que je te connais et que vous me prenez la tête, je te remets, t'en as rien à foutre de ce qu'elle dit. Hein. Faut pas être con pour pas comprendre. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il lui ait encore rien dit, tu vois. Genre, je m'en bats les couilles que tu me prennes la tête, quoi, ta gueule. Oh, parce que je suis en ma gueule, c'est pareil. Je m'en fous, je vais se dire, c'est mieux. Et après, elle te communique par Facebook avec ses images de merde. Que je vois constamment, d'ailleurs. Et alors, hein. C'est casse-couille. Non mais même les publications où t'es pas identifié, hein, je les vois toutes, hein. Casse-couille. Ouais, je n'ai plus rien. C'est l'écran avec... Qu'est-ce pour le montrer. Sinon, crois-moi que ça ferait bien longtemps que j'ai rebloqué. Mais si, en la signalant, tu peux pas la bloquer après. Non, je ne reviens pas. Du coup, moi, je vais pisser. On va faire à manger, on arrive. Toi, t'as quel. Allez, tout le monde. J'ai pas mangé moi, j'ai dit je donne à manger aucun. Non, mais tu fais à manger pour tout le monde, on arrive. Tu n'as pas bien. Si tu meurs après, c'est pas grave. De quoi? Oh, comment elle bug. Loin de la PS4.
Oui, j'avoue. Et je crois que... Hein? Ça, ça sera ton repas, Denis, pas bien. Ah, ça va aller. C'est pas mon kiff. T'es sûr? Oui, oui, très sûr. Même certain, tu vois. À 100%. Bon. Moi, je vais en mode libre pendant 2 secondes. Là, je préfère à bouffer. C'est pas ça, là. Non, mais au pire, on laisse comme ça sans lancer la course. Non, mais vous allez vous emmerder. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je voulais me préparer à bouffer, j'ai voulu quitter, mais en fait, t'as voté. Donc, j'ai pas eu le temps. J'ai pas voté. Bah, c'est bizarre parce que moi, j'ai pas eu le temps d'aller sur. Bah, de toute façon, c'est en privé, ça s'en fera pas. Hein. Bah, ouais, mais à part si toi tu lances. Mais non, ça se lance. En attendant, Denis, on dit quoi à Herol? Allez! Allez, tu te connais, c'est ton Herol? Le tout petit? 30 secondes. Ton deuxième compte? Moi? Ouais? Ouais. Sur l'air? Ouais, ouais. C'est quoi ce trésor? Comme ça, bateau de temps. Ouais, boucle de ceinture en or. Non, mais attendez pas. Mais attendez pas. Non, mais attends, de quoi tu parles? Bah, j'en sais rien, tu m'as dit, enfin, t'as dit à Denis si vous m'attendiez ou pas. Donc, j'ai dit non, m'attendez. Non, t'as pas compris. Là, qu'est-ce que t'as trifouillé sur mon perso? Ouais, j'ai juste couronne. Équipé. J'ai juste équipé, c'est tout. On dirait une princesse. Mais tu peux les retirer, enfin tu peux les cacher. Ouais, c'est pas grave. Bon, je pose mon casque, j'arrive. Vas-y. Denis, attends. Ouais, mais. Va falloir que t'actives ta potion aussi. Après. Denis, on... Ah, mais elle, faut qu'elle active sa potion, pas nous. Nous, enfin, nous. Bah, je vais activer ma potion. Denis, on fait comment? Ouais, mais avec quel compte? Avec cela? Bah, ouais. Mais tu veux pas que. J'active ma potion maintenant ou quoi? Bah, de toute façon, garde ton casque et de temps en temps, on te dira quand il faut que tu l'actives. Oui, mais je serai dans la cuisine, l'ordinateur va être dans le salon, je peux pas l'emmener partout non plus. Moi aussi? Bah, non. Le voilà, de l'autre côté du port. Regarde ça. Denis, si on prend un reroll, prends un 46, essaye avec le 46, voir. Non, merde, j'ai invité Missa, dis non avec elle. Ok. Ah ben non, 46, je peux pas. Mais rien, je veux juste, tu vois, rester là et filmer un peu. Je prends gaffe. J'ai essayé, ça passe. De quoi? Bon, très bien. Mais promets-moi que tu seras sage. F7 avec. Dans tous les avec sens le 46? Non, avec le 80. T'es sérieux? Ouais. Putain, la vache. Il me semble. Hein. Vérifie parce que ça me paraît bizarre. 121. Toi, le gars, ça va pas. Un en moins. Il a craché. Qui a crash? Ton réel? Non, dites-moi si je l'active maintenant ou pas, parce que je vais pas attendre 3 ans pour me faire bouffer. Voilà, elle, déjà. Elle râle encore. Bah, attends, pour une fois de ma vie que j'ai faim, il y a quoi dans la bouffe? C'est la cuisine de ma carence. Merci.
Bah si le gros bonhomme, on t'a fait buter par des 4-20. Vous jouez à quoi là? Juste à PC. Non mais pas lui, il sent jamais sa grosse. Bah non. Je vois pas du tout comment on y va, hein. Vous me l'avez jamais montré. Hein. Bah si. Non, il te l'a montré à toi. À toi aussi. Ah non. Non. C'est bon, ça fait presque 15 niveaux d'écart, Denis. Ça fait 14,75, c'est bon, ça passe. Denis, t'es là, on est là du temps. C'est un espèce de gros bonhomme à gauche.